Huitième journée de la Saforel Power 6, les Béziers Angels reçoivent les Neptunes de Nantes au Palais des Sports de Béziers. Soyez les bienvenus en direct sur Sport en France pour cette affiche volée. Acquis, S Béziers, et c'est parti avec la capitaine des Angels au service, l'Égyptienne Nadia Mehawad, sur Alima Touba qui zippe complètement sa première réception. Allez, la Mepoel. Réception Adame et Awad, le premier bloc pour Yelena Delic. Alors, on va jouer là-bas sur Heidi Bennett, c'est ralenti. Manon Bernard qui va sauver ce point. Karine Sundernikova, main gauche bien sûr. La diagonale qui laisse complètement de marbre à la défense des Neptunes. Elle est pas malheureuse, les Béziers Angels, sur ce coup avec le premier bloc de Delic qui est retombé à la verticale. 5 partout. C'est Radebel. Le service, attention à Lima Touba. Ça zippe encore sur la réception de la française. Dame Awad. Lima Touba à l'arrière qui tient bon cette défense. Sundernikova. Mais Awad sur Amandine Giardino. Et la Mepoel sur Hailey Bennett. Exceptionnel. L'américaine qui commence à se chauffer la main tout doucement. Ça finit sur la ligne du fond de terrain. Va servir à son tour. Lazzaro sur Amélie Amour. Ça n'a pas surpris la défense des Neptunes. Ça va revenir. Là-bas avec Nada Mehawad, le petit ballon déposé. Et la Mepoel qui avait parfaitement anticipé. Encore une bonne défense. On va retrouver Sundernikova, le blocage trouvé par la Slovaque, 9-8. Ah, vous l'avez entendu, vas-y, full. Et elle y est, elle est en full power là aussi à Lima Touba et ça fonctionne. Elle trouve le haut du bloc de Béziers. Full power, c'est l'expression, l'une des expressions favorites de César Hernandez, le technicien espagnol des Neptunes. Bas sur Majkowska, justement Nada Mehawad en pipe, c'est sur Edame Powell. Heidi Bennett, elle fait des dégâts, elle fait de gros dégâts dans la défense biterroise. Encore une fois l'américaine qui trouve le haut des mains et ça va terminer dans le filet. Quel soutien, on se bat du côté de Béziers. Quel Lazzaro à Janssen cette fois. Quelle défense de Mehawad cette fois, c'est incroyable. Quel point. Et le ballon mal ajusté par Lazzaro, Debel qui n'a pas pu conclure. Encore une super défense de Manon Bernard. Sundernikova pour terminer le point. Il n'y aura personne cette fois pour défendre l'attaque de la Slovaque. Quel point, et ça va réveiller le public du Palais des Sports de Béziers. Quel superbe point. C'est Béziers qui l'emporte à la fin. Pour Janssen, la belle défense de Bell sur la ligne arrière. Nada Mehawad fait ce qu'elle peut. Attention derrière Janssen qui a une nouvelle chance. C'est là encore la défense de Ciara de Bell. Alors, quel match elle nous fait l'américaine pour l'instant. Powell pour Janssen qui se fait bloquer. Trois attaques de la néerlandaise sur ce point. Ça ne veut pas pour la numéro 5 des Neptunes qui se fait bloquer par Béziers. Monster Block signé Paulina Majkowska. Qui battent la mesure. Et la basket de Jessica Robinson, ça fonctionne très très bien. Elle la met Powell pour Robinson. Et Awad au service, Alima Touba à la réception est maintenant bien stabilisée. Elle est servie de nouveau, la française, par Edame Powell. Delic sur Debel, Lazzaro qui renverse sur Majkowska. Monster block exceptionnel, Laura Janssen. De Béziers, depuis plusieurs saisons, c'est pas confortable de rentrer comme ça au service sur une balle de 7 adverse, mais très bon, c'était un bon service. Bon service, effectivement. Ali Bennett, l'attaque est défendue par Baudinier. Et l'énorme bloc derrière pour Jessica Robinson. À Robinson, Janssen au bloc, elles ont fait de gros dégâts dans cette fin de premier set. Ce sont les Neptunes qui mènent 1-0. Cette affiche de la 8ème journée de la Saforel Power 6, 25-20. Stockman.
le service Powell pour Hayley Bennett qui n'y arrive pas dans ce début de deuxième manche. Le bloc derrière de Janssen. Et encore une fois, Sarah Debel qui, elle, réussit tout ce qu'elle entreprend dans ce début de deuxième manche. Attention, il y avait 6 points d'écart, il n'y en a plus que 3. Pour le bon service, la réception, c'est compliqué. Soldankova, main gauche, et qui se fait bloquer par Ali Matouba. Mardi, face à Rouch, il me semble. Oui, déplacement en Pologne pour les Neptunes. Ce sera bien mardi 12 à 18h sur le terrain de Grotte Budowani Rouch. Service, mais la très bonne réception également à la Mepowell pour Ali Matouba, la diagonale. Quelle réception tout d'abord. Exactement sur la passeuse. Peut-être parfait sur ce point de Neptune. Une Sundalikova qu'on retrouve au service. Le palais des sports de Béziers qui chavire une nouvelle fois, plus 3, 15-12. Matouba, quelle puissance, full power, voilà la définition. Sundalikova, et c'est dehors, elle prend des risques, et ça offre à la fois le deuxième set de l'étude de Nantes. Cet été, un petit ballon déposé, c'est défendu par Sundalikova et qui se battra jusqu'au bout. La Slovaque Ali Matouba qui va tenter, cette fois ça fonctionnera. Le petit ballon déposé derrière la défense. La jeune exceptionnelle attaquante française Ali Matouba encore forme un très très bon match. Cette fois c'est Sundalikova qui se montre full power. Là, spécial. Complètement de la réception et de Cora. Et ben voilà, vous les avez vus permuter au moment du service. La réaction, mais ça n'empêche. Le Béziers repasse devant et définitivement devant. Dans la tête, beaucoup de questions de confiance, la réception. Allez, Bennett pour la confiance, et bien non, puisque Paulina Majkowska est sur son chemin, plus 4 Béziers. Sur le Janssen. Taheri qui est très. Le bloc a trouvé non par Jessica Robinson. Et attention, Sundalikova sur la ligne. Énorme bloc derrière pour Majkowska. Les Nantaises qui n'y arrivent pas. 22-12. C'est que la Vitarois va voir son équipe remporter une manche ce soir. Est-ce que ce sera maintenant Janssen. Très bien joué ça, Karen Sundalikova. Et Sierra Debel qui en profite derrière. Voilà, c'est fait. 25-14. Béziers qui revient. Encore une réception compliquée pour Laura Janssen. Zaro pour Sundalikova, le blocage pour la Slovaque et plus 3 Béziers déjà. Giardino, Powell pour Janssen. Quelle défense de Belle. Ali Bennett, cette fois, elle ne pourra rien, sa compatriote Sierra de Belle. Bien. Un très bon service de Janssen. Holterhaus sur la néerlandaise. Bennett en puissance. Encore une fois, sauf un point. Et du monde en face pour le coup, mais le full power est venu fracasser ce bloc de Holterhaus. Il croit au retour à deux partout et à la manche décisive. Allez, Bennett ralenti, la défense de Béziers vraiment capable de prouesse, même si là c'est dommage, on s'est un petit peu emmêlé. Et Ali Matouba qui va pouvoir terminer. À ce point, Nantes passe devant
Ouais, Raquel Lazaro, une nouvelle fois en défense. Et Mélissa Niez qui a pensé qu'éventuellement Sidarlikova allait prendre le relais, ce bloc homogène. Ouais, Imatuba qui change encore une fois de trajectoire sur ce service. Yanné en défense derrière. Janssen qui se fait attraper par Majkowska. Quel match au bloc pour la... Seulement pour tenter d'effectuer un bloc, et forcément, si la copine rate son service, le bloc on ne peut pas en faire. Et Walter Rose qui est César González Hernandez. Elle a pris une bonne marge de sécurité, la bonne réception. Janssen encore une fois, de bon service là. Lazaro, c'est ralenti. Andia s'est sauvé. Nachamo qui va trouver encore la brésilienne. Ce point qui n'est pas terminé. Sundernikova qui se fait attraper, mais ça revient incroyable. Nachamo qui va changer, qui va jouer sur Alimatuba. Ce point est interminable. Sundernikova peut-être pour le terminer, oui! Ça dure, ça dure, ça dure, et c'est au final Sundernikova. C'est la bonne réception, Lena Chameau qui va chercher la balle. Imatuba, la diagonale, la grande, grande diagonale pour la réceptionneuse attaquante française de 20 ans seulement. Jardino, la réception. Brambilla qui se fait attraper par Sierra de Bell. 23-22 pour le classement, mais ça fera un bien fou à toutes les joueuses. Fin prématurée du double changement, hein, avec le retour sur le terrain d'Elame Powell et d'Ailey Bennett. Powell, Alimatuba, et le bloc derrière, énorme, encore une fois signé Marissa Stockman, 23 partout. Wow. Ce match est dingue, ce match est complètement fou. Il va falloir assurer maintenant pour Elame Powell, auteur de deux aces dans cette rencontre. Attention, ça va être compliqué, c'est défendu. Ça va revenir, Lazaro pour Sundernikova, le petit ballon. Elame Powell, Giardino pour Ailey Bennett, et c'est terminé. Les Neptunes de Nantes enchaînent une huitième victoire consécutive cette saison en Safforel Power 6.